Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 20 octobre, 22e dimanche après la Pentecôte. Trois séquences, tout d'abord une rencontre avec Monsieur l'abbé Alain Laurence de la fraternité Saint-Pilis, à l'occasion du décès le 8 octobre dernier de Monseigneur Bernard Tissier de Malrey, qu'il a bien connu. Ensuite, nous accueillerons Michel Valadier, directeur général de la Fondation pour l'école, afin d'analyser la rentrée scolaire d'une manière générale et en particulier dans les établissements scolaires hors contrat. Et enfin, Marc Levatois, président de la DRAC, le droit du religieux ancien combattant, nous présentera le colloque du centenaire de la DRAC qui aura lieu le 16 novembre prochain à Paris. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pilis et vous avez bien connu, c'est la raison de votre présence ici, Monseigneur Bernard Tissier de Malrey, décédé le 8 octobre dernier. Alors pouvez-vous d'abord nous donner quelques éléments biographiques de la vie de Monseigneur Tissier de Malrey? Si j'ose dire, la biographie de Monseigneur Tissier de Malrey se confond avec l'histoire de la fraternité, parce que c'est un des tout premiers séminaristes. Avant même Écône, il était route de Marly, à Fribourg. Il a été accueilli par Monseigneur Lefebvre. Il y avait 9 séminaristes à cette époque-là. C'était en 69. En 70-71, le séminaire s'installe à Écône. Et il est ordonné en 75. De là, il devient professeur et en 78, il devient directeur. Ensuite, jusqu'en 83, il deviendra secrétaire général de la fraternité. Et on peut dire qu'il a vraiment été parmi les plus proches collaborateurs, je dirais même presque confidents de Mgr Lefebvre, ce qui lui a permis non seulement d'écrire la biographie que vous avez sous les yeux et dont nous parlerons dans quelques instants. Alors on peut dire que la biographie de Monseigneur Tissier de Malrey se confond avec l'histoire de la fraternité. Et on peut dire qu'avant même d'être évêque, il a été tellement proche de Monseigneur Lefebvre, historiquement comme je viens de dire, mais aussi spirituellement et intellectuellement, qu'il a pu mettre en forme un ouvrage que Mgr Lefebvre a signé, parce que c'est bien lui l'auteur, mais toutes les notes bibliographiques, toutes les références et l'organisation de tous les chapitres, c'est Mgr Tissier, à l'époque l'abbé Tissier, qui était derrière, et c'était « Ils l'ont découronné ». Et là, moi, j'étais directeur du séminaire dans les années 78-83, Mgr Lefebvre me disait son admiration pour le travail de Mgr Tissier, parce que il y avait effectivement une grande parenté intellectuelle et spirituelle entre deux. Alors, Mgr Tissier est donc évêque auxiliaire, était évêque auxiliaire de la fraternité Saint-Pilis depuis 1988. Pouvez-vous nous rappeler le contexte un peu particulier de ces consécrations épiscopales ? Alors, effectivement, c'était ma dernière année comme directeur. Je vois encore cette année assez particulière, puisque Mgr Lefebvre considérait qu'on était dans l'état de nécessité. L'état de nécessité est défini strictement par le droit canon et il faut vérifier que cet état de nécessité existe et il faut aussi être passé par les voies régulières. Donc il avait demandé à Rome. Et puis il y a eu la fameuse visite du cardinal Gagnon qui est à Écône, donc que j'ai vu à ce moment-là. Et puis l'accord qui a été signé, puis repris, parce que de fait les garanties qui étaient souhaitables n'ont pas été obtenues. Et
L'abbé Tissier de Malraix, à l'époque, était toujours aux côtés de Mgr Lefebvre, avec un autre confrère, M. l'abbé Laroche, et ils ont été à Rome, ils ont été parmi les conseillers théologiques et canoniques de Mgr Lefebvre. Les ordinations épiscopales et sacres ont eu lieu en 88, donc dans les conditions définies par l'état de nécessité, c'est-à-dire que c'est uniquement pour répondre aux besoins de la vie sacramentelle, donc uniquement des évêques qui n'ont pas de juridiction territoriale et qui sont là uniquement pour transmettre la confirmation et les ordinations. Et on peut dire qu'à partir de là, Mgr Tissier de Malraix parcourt le monde entier pour consacrer des églises, bénir des cloches, mais surtout donner des confirmations et des ordinations. Alors dans ce cadre-là, puisque vous parlez d'ordination, sait-on à combien d'ordinations sacerdotales il a procédé pendant ces 36 années d'épiscopat ? Eh bien, on peut le dire, oui, parce que à Medingen, chaque évêque a un dossier, et on sait que c'était exactement 232. Il avait procédé à 232 pour la fraternité et pour les communautés amies, donc tout confondu. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, devant l'histoire, Mgr Tissier sera aussi l'auteur d'une biographie monumentale de Mgr Lefebvre, Marcel Lefebvre, Une vie. Qu'en avez-vous retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué dans la lecture de ce copieux ouvrage de 700 pages? Alors, comme vous le disiez, c'est un ouvrage monumental. Lui-même me l'avouait un jour, il n'avait pas su faire court. Et je pense d'ailleurs que ça venait de sa formation. Il était biologiste, c'était un scientifique. Il avait bien sûr la rigueur des scientifiques, mais il avait aussi le goût des détails. Mais c'est ce qui fait que nous avons une biographie qui est une mine de renseignements, de références. Et sous cet angle, c'est extrêmement précieux. Il avait aussi, et ça se voyait alors dans « Ils l'ont découronné », un talent pédagogique pour présenter de façon claire les questions les plus complexes. Ce qui n'est pas toujours commun aux scientifiques. Chez lui, c'était une de ses qualités. Moi, je l'ai eu comme professeur, il donnait l'apologétique, il a donné la théologie morale. Ça s'énonçait clairement parce qu'il le concevait bien. C'était agréable sous cet angle-là. Par ce qu'il y a de... On voit aussi, enfin, c'est une caractéristique, le style, c'est l'homme, comme disait Buffon. C'est un être... très humble que Mgr Tissier de Malraix, lorsqu'on lui demande, Mgr Feulet aussi, mais lorsque il a rapporté la conversation qu'il avait eue avec Mgr Lefebvre un an avant les sacres, Mgr Lefebvre lui dit voilà, j'ai pensé à vous, et il dit mais non, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, et je ne suis pas capable. Et Mgr Lefebvre lui dit, mais moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alors il a dit, dans ce cas-là, il a les grâces. C'est un critère. S'il a les grâces pour choisir, moi j'ai les grâces pour suivre. Et c'était véritablement, je pense, un de ses traits, une humilité, une fidélité. On le voit effectivement dans l'ouvrage aussi, c'est quelqu'un de... qui était au fond assez timide, mais qui est d'une timidité qui pouvait intimider les interlocuteurs. Mais il se faisait violence et il savait que de par ses fonctions, il fallait qu'il domine cette timidité. Sous cet angle, c'était un véritable chef, parce que le véritable chef, c'est celui qui n'a pas réduit la fonction à ses capacités, mais qui s'élève véritablement au devoir de sa charge. Et ça, c'est certainement une de ses vertus. Pour cette humilité, on peut dire aussi qu'elle était faite de grande douceur. Il était angevin, et c'était une caractéristique depuis du Bellay, que la douceur angevine. Il a une douceur
et cette grande fermeté doctrinale. Sous cet angle-là, il rappelle un petit peu les deux vertus caractéristiques du patron de la fraternité, qui est Saint Pie X, c'est-à-dire la douceur et la fermeté. Alors, nous l'avons évoqué, en 1988, donc, Mgr Lefebvre, Mgr de Castromeyer avait donc sacré quatre évêques. Aujourd'hui, sur ces quatre évêques, il en reste deux. La fraternité s'est considérablement développée, puisqu'aujourd'hui, elle comporte plus de 700 prêtres. Alors, le sacre de nouveaux évêques est-il à l'ordre du jour? Et quel va être le processus, a priori, envisagé? Alors, si je résume votre question en deux mots, c'est qui et quand? Et non, c'est pas ça, c'est même pas qui et quand, c'est le processus. Mais vous faites bien de ne pas me poser la question qui et quand, parce que je n'ai aucun élément voilà, de réponse. Voilà, et donc c'est pour ça que je n'ai pas posé cette question. En revanche, je vous dirais que Mgr Tissier lui-même était favorable à ces sacres, pour la raison que vous donniez, c'est-à-dire que la tradition se développe énormément dans le monde, il n'y a aucun doute, mais aussi et surtout parce qu'il voyait l'état de nécessité, loin de s'estomper, s'aggraver. Mgr Lefebvre, on peut revenir sur l'année 87-88, avait considéré que l'état de nécessité était particulièrement manifesté par la réunion interreligieuse d'Assises, et aussi par la réponse que la congrégation de la foi avait faite au Doubia qu'il avait adressé. Je ne peux pas, et je ne pense pas que ce soit pour vos téléspectateurs une exclusivité, mais des événements auxquels Mgr Tissier de Malraix assistait comme nous et de façon catastrophée, Fiducia supplicans, Amoris Laetitia, la déclaration co-signée à Abu Dhabi entre le grand imam d'Al-Azhar et le pape, tout cela lui faisait comprendre que l'état de nécessité était encore d'actualité. Très bien, ben donc nous allons attendre un peu pour en savoir plus. Et vous faites bien. Je vous remercie, monsieur Lavé. Merci. Bonjour Michel Valadier. Bonjour Jean-Pierre Maugeant. Donc vous êtes directeur général de la Fondation pour l'école, vous avez commenté la rentrée scolaire par un communiqué. Quels sont les éléments saillants à vos yeux de cette rentrée scolaire? Pour nous, à la Fondation pour l'école, qui, je le rappelle, a pour but de soutenir, d'inspirer les écoles libres hors contrat, nous avons constaté que l'État, l'éducation nationale et l'enseignement catholique ont fermé 3000 classes entre juin et septembre 2024, alors que les écoles libres en contrat ont ouvert 300 classes. Donc il y a de façon très évidente un phénomène d'évitement des familles, des enfants, du public d'une part vers le privé sous contrat et du public et du privé sous contrat vers les écoles hors contrat. Et ce phénomène est de plus en plus visible. Alors que la France connaît un hiver démographique, une partie de ces fermetures de classes provient évidemment de la baisse du nombre d'élèves, avec une fermeture très accentuée dans les écoles, des fermetures très accentuées dans les écoles primaires. Madame Belloubet, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, a déclaré au Sénat en avril 2024 que entre 2017 et 2023, la France a perdu 400 000 élèves. 400 000 élèves qui n'ont pas été scolarisés puisqu'ils ne sont pas nés. Alors, un certain nombre de mesures qui étaient assez courantes dans les établissements hors contrat, je pense au port de l'uniforme, également l'interdiction des téléphones portables dans le primaire et au collège, semble intéresser l'éducation nationale. Serait-ce le début d'une prise de conscience ? Dieu vous entende. Si l'on regarde les chiffres très concrètement, il est vrai que la plupart des écoles libres hors contrat interdisent actuellement l'usage du smartphone dans les établissements scolaires jusqu'à l'âge de 16 ans, donc en gros ça fait le primaire et le collège, et que beaucoup d'entre elles disposent d'un uniforme, une blouse souvent dans le primaire, et puis un vêtement distinctif dans le secondaire. Alors qu'en est-il au niveau de l'éducation nationale? Une centaine d'écoles expérimentent l'uniforme à l'heure qu'il est. C'est peu,
c'est peu. Quand il y a 60 000 écoles, c'est vraiment très très peu. Mais c'est déjà effectivement une bonne chose, une bonne nouvelle. Nous n'aurons pas de retour, d'évaluation de cet impact et surtout, nous ne saurons pas avant quelques mois combien d'écoles emprunteront la suite et rejoindront ces écoles-là. En ce qui concerne le smartphone, la situation est un petit peu plus délicate puisque Mme Gentay, nouveau ministre de l'Éducation nationale, a déclaré la semaine dernière qu'elle n'entendait pas imposer ce dispositif à la prochaine rentrée. 200 écoles ont accepté de tester, de tenter l'expérience, sachant que cela demande tout de même un peu de logistique, puisqu'il faut mettre des casiers à disposition pour que les élèves puissent déposer leur téléphone le matin, le récupérer le soir. Et évidemment, les élèves déposent les téléphones à peu près à la même heure et veulent les récupérer à peu près au même moment. Donc il y a des petits soucis logistiques. La région Île-de-France, par exemple, a décidé de financer l'achat de casiers pour les écoles de la région de l'Île-de-France qui acceptaient de tenter cette expérience. Le coup d'arrêt porté par le ministre la semaine dernière laisse craindre que cette disposition ne s'étende pas, puisqu'elle laisse les chefs d'établissement décider du bien fondé, de maintenir ou pas cette disposition. J'ajoute pour terminer que depuis 2018, l'usage du téléphone portable dans les écoles est interdit aux élèves. Donc des textes sont mis en place, ne sont pas appliqués, ce qui renforce le sentiment de je fais ce que je veux, ce que j'ai envie, ce sentiment un peu d'impunité, ce qui crée une instabilité préjudiciable. Vous parlez de 300 classes en plus à la rentrée. Oui. Un, comment expliquer ce phénomène? Et deux, comment est-ce que ça se ventile, ces 300 classes? C'est des écoles catholiques, c'est des écoles Montessori, c'est quoi? Alors, une centaine d'écoles ont ouvert cette année. Dans cette centaine d'écoles, 21% sont catholiques, 3 ou 4% protestantes, et le reste, ce sont des écoles non confessionnelles. Il y a une école musulmane, une école juive, mais la plupart des autres écoles sont des écoles confessionnelles. Et parmi les écoles confessionnelles, la majorité sont effectivement des écoles Montessori. Sachant que si l'on regarde les causes de la fermeture de 3000 classes dans le public, il y a une cause démographique. La baisse de la démographie touche à peu près tout le monde. Et donc, normalement, on devrait assister à des fermetures de classes dans les écoles libres hors contrat, ce qui n'est pas le cas. Cela veut donc dire que le fameux évitement vient surabondamment combler les fermetures de classes qui naturellement devraient être constatées. Pourquoi cela? Tout simplement parce que ces écoles franchissent avec succès leur création, ces écoles travaillent correctement pour forger les élèves qui leur sont confiés, et les résultats pour les lycées et les lycéens qui quittent les lycées des écoles hors contrat sont là, puisque nous avons fait une enquête. Plus de 16% des élèves qui sortent d'un lycée hors contrat intègrent une classe préparatoire aux grandes écoles, alors que le chiffre national est de 2,3%. Donc la proportion d'élèves pouvant intégrer des classes préparatoires aux grandes écoles est beaucoup plus importante dans les lycées hors contrat. Très souvent, dans l'imaginaire des gens peu informés, lycée hors contrat égale boîte à bac. Mais la boîte à bac, c'est terminé, parce qu'aujourd'hui, obtenir le bac est relativement facile, surtout grâce au contrôle continu. Donc pourquoi des parents iraient payer 7 000 euros, 8 000 euros de scolarité dans une boîte à bac, alors qu'en le laissant dans le public, leur rejeton, finalement, a le bac? Donc aujourd'hui, la plupart des lycées hors contrat sont des lycées qui font un bon travail, un très bon travail, et qui sont reconnus par les classes préparatoires aux grandes écoles. – Alors comment réagissent l'Éducation nationale d'autre part, et puis d'autre part le secrétariat général de l'enseignement catholique sur ces deux chiffres? Nous, on ferme des classes et à côté, ils en créent. Quelles sont les réactions ?– Alors, je peux vous donner une réaction qui nous a beaucoup surpris. Chaque année, l'Éducation nationale, à travers son organisme statistique qui s'appelle la DEP, D-E-2-P, publie l'état des écoles en France, toutes catégories confondues. Et cette année, le rapport est sorti le 30 septembre, donc il n'y a pas très longtemps, et cette année, l'ADEP a décidé de ne plus compter les élèves qui ont 16 ans et plus. Donc dans les écoles, nous n'avons plus les chiffres des élèves scolarisés dans les écoles hors contrat de 16 ans et plus. Pourquoi? Parce que la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans.
Ce qui fait que les courbes tracées par l'ADEP sur les statistiques se terminent par des pointillés. Je ne vous mens pas, ce rapport est disponible sur Internet. Et donc, nous n'avons pas les chiffres. Nous avons nos propres chiffres, mais nous n'avons plus les chiffres de l'éducation nationale. Donc, voilà une réaction. On casse le thermomètre. Comme ça, ça évite de regarder la température et de l'eau du bain. Donc, première réaction que je trouve assez peu professionnelle et un peu surprenante. En ce qui concerne l'enseignement catholique, les choses commencent à bouger dans un certain nombre de diocèses. Une dizaine de diocèses, d'évêques ou de directeurs diocésains, ont pris conscience de l'émergence de ces écoles libres hors contrat. Mais la quasi-totalité des évêques ne s'intéresse pas à ce problème, ou ce phénomène, pardon, et au contraire considèrent que ces écoles sont des concurrentes. Concurrentes des écoles qui sont sous contrat d'association. Ce qui n'est pas complètement faux, puisque un chef d'établissement qui voit d'une école catholique sous contrat, qui voit une école se créer à côté, voit partir parmi les familles, celles qui sont en général les plus motivées, celles qui sont les plus attachées à un certain nombre de principes, et qui ont une vie spirituelle, etc., etc. Mais au lieu de se poser la question pourquoi est-ce que ces familles partent, ces chefs d'établissement ont tendance à vouloir mettre des bâtons dans les roues pour ce type de projet. Et donc, nous sommes un peu à la croisée des chemins parce que je pense que les évêques devraient davantage se poser la question, est-ce que nous n'aurions pas intérêt à essayer de prendre contact avec les fondateurs de ces écoles? Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. J'ajoute, pour terminer, que nous regardons depuis 2 ans l'origine des prêtres ordonnés en France, les nouveaux prêtres ordonnés. Je ne parle pas des séminaristes à l'entrée, je parle des prêtres ordonnés. 80 et quelques, 98. 98 cette année, 82 l'année dernière. 20 à 25% de ces prêtres sont passés par des écoles hors contrat. Alors qu'elles ne représentent que 6% des écoles privées en France. Donc, je donne ce chiffre et je le laisse à la méditation de ceux qui cherchent des vocations. Dernière question. Le ministre de l'Éducation nationale vient d'être nommé, Madame Anne Genetet. Est-ce que ça va changer quelque chose, en particulier dans la vie au quotidien, où on a quand même beaucoup de remontées d'inspections académiques un peu intrusives? Alors, le changement du ministre qui, chacun l'aura compris, n'est pas spécialiste des questions scolaires, ce qui peut être une bonne chose parce qu'elle arrive avec un regard neuf, mais ce qui va faire perdre un peu de temps à ce gouvernement dont on ne sait pas quelle sera sa durée de vie exactement. Par contre, le phénomène intéressant est la nomination comme ministre délégué d'Alexandre Portier, qui lui connaît bien le monde de l'école et qui connaît bien le monde de l'école privée et qui a un regard tout à fait objectif sur les écoles libres hors contrat. Donc je pense que des progrès ont été faits en termes d'inspection. Nous avons aujourd'hui quelques inspections encore difficiles à charge, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissions il y a un an ou un an et demi. Donc j'imagine que les inspections vont continuer à bien se passer, mais la Fondation porte ce dossier auprès du ministère. Nous allons rapidement avoir un entretien à ce sujet pour demander à ce que les inspecteurs soient formés spécifiquement pour les écoles, les visites des écoles hors contrat. Les inspections dans les écoles libres hors contrat n'ont rien à voir avec les visites dans les autres écoles, puisque dans les autres écoles, ce sont les professeurs qui sont inspectés, alors que dans les écoles libres hors contrat, c'est l'école qui est inspectée. Donc on ne regarde pas la même chose. Donc, disons, attendons de voir et laissons le bénéfice du doute. Merci beaucoup, cher Michel. Merci. Et bon courage pour votre courageux combat pour la défense de l'école libre. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci de votre invitation. Bonjour Marc Levatois. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes président de la DRAC et le 16 novembre prochain aura lieu un colloque, le colloque du centenaire de la DRAC. Alors, quelles sont les circonstances de la création de la DRAC et que signifie cet acronyme? Voilà. DRAC signifie droit du religieux ancien combattant. Cet acronyme a connu une déclinaison plus récente sur laquelle on va revenir, qui traduit, un peu plus l'actualité de la DRAC. Pour comprendre les circonstances du centenaire 1924, il faut remonter un petit peu dans le temps
et notamment vers la violence des lois antireligieuses qui se sont manifestées en France à l'extrême fin du XIXe siècle et au tout début du XXe, qui ont mené à l'expulsion, avec souvent un caractère violent, des congrégations religieuses, notamment des congrégations enseignantes, masculines et féminines, mais aussi d'une bonne partie des congrégations contemplatives, avec des expulsions, des religieux au nombre d'environ 30 000 hommes et femmes qui ont dû se réfugier à l'étranger, notamment en Angleterre, en Belgique, et arrive 1914, et la France se trouve menacée, et il y a un appel du président Poincaré à l'Union sacrée, et dès les premiers jours de la guerre, cet appel à l'Union sacrée se traduit par la suspension, non pas l'abrogation, mais la suspension des mesures d'expulsion des religieux pour que les religieux en âge de se trouver engagés sur le champ de bataille, certains en tant que combattants, il y a eu une suspension des règles canoniques sur le port des armes parallèlement de la part du Saint-Siège, mais surtout comme infirmiers, comme aumôniers, pour que les religieux anciens combattants puissent revenir en France. Ils l'ont fait, ils ont été héroïques, ils ont été glorieux par le nombre de morts, par leur engagement, par leur dévouement. Et à la fin de la guerre, sur les questions religieuses, on a vu régner la paix des cœurs qui avait été gagnée dans les tranchées avec la victoire, et on pensait que cela pourrait durer. 1924 arrive au pouvoir le gouvernement radical du cartel des gauches sous la présidence d'Édouard Herriot qui très rapidement décide de mettre à nouveau en vigueur ces lois d'expulsion des religieux qui n'avaient été que suspendues en 1914. Et évidemment, c'est l'occasion d'une levée de boucliers, d'autant plus que ces mesures se doublent d'autres mesures à caractère anti-religieux très fort. Et dans ce cadre, donc, il y a toutes sortes de mouvements qui sont créés. La Fédération nationale catholique par le général de Castelnau, la revue France catholique qui existe encore aujourd'hui, et notamment, spécifiquement pour défendre les religieux, il y a la création de la DRAC, Droit du religieux ancien combattant, qui a été manifeste avec l'appel du Père Doncœur. Pour l'honneur de la France, nous ne partirons pas. Voilà ce qu'ont été les circonstances, pour résumer très rapidement, les circonstances de la naissance de la DRAC en 1924. Alors, pourquoi organiser ce colloque commémoratif ? Organiser ce colloque commémoratif dans la mesure où, j'irais 100 ans, ce n'est pas rien, 100 ans d'action d'abord pour pérenniser le statut des religieux anciens combattants, parce que si le gouvernement a baissé la garde en 1924, pendant tout l'entre-deux-guerres, je dirais la situation n'est pas réglée. Bon, il y a des tentatives à la fin de la Troisième République, pendant l'occupation, je dirais, et puis à la libération, on décide d'en finir de façon décisive et je dirais sur le fond de ces mesures d'expulsion. Et puis, je dirais, la DRAC, ça a été tout un état d'esprit pour défendre ce que signifie à la fois, je dirais, en termes de droit civil et en termes d'engagement religieux, ce qu'est le statut du religieux en France, c'est-à-dire tout un esprit de patriotisme, mais qui n'est pas un patriotisme désincarné ou totalement laïcisé, mais qui est imprégné d'esprit chrétien. Et dans ce cadre, la DRAC a développé de nombreuses activités. Je dirais, il y a eu au départ l'engagement
pour les religieux, je dirais pour la défense des dossiers de tel ou tel. Donc il y avait là quelque chose qui était très important également pour des personnes. Et puis aussi, il y a eu la volonté de mettre en avant un esprit civique dans un, une atmosphère et avec des références qui soient celles du christianisme et du catholicisme singulièrement. Et dans ce cadre, dès 1926, la DRAC a créé une coupe d'éloquence de façon à entraîner des jeunes gens à s'exprimer bien et à s'exprimer également sur le fond pour la défense de ses valeurs civiques et de ses valeurs chrétiennes. – Alors, quel est le programme de ce colloque ?– Le programme de ce colloque, je vous remercie, eh bien, il s'agira de rappeler ces circonstances que j'ai caricaturées en quelques mots. Donc, quelle est la situation de la religieuse de la France au lendemain de la Première Guerre mondiale ? Quelles sont les circonstances qui ont mené à cette défense des religieux? Quelles ont été les activités de la DRAC? Et puis, je dirais, une deuxième partie qui, en partant des menaces qui existent actuellement, tant, je dirais, sur la question de la défense de la patrie, puisque la DRAC est toujours impliquée dans le mouvement, je dirais, global de la défense nationale en France et du mouvement des anciens combattants. Également, je dirais, tout ce qui peut se traduire en termes de menaces, également, d'un point de vue chrétien dans la France d'aujourd'hui. – Alors, avez-vous quelques noms d'intervenants à nous donner ?– Alors, nous avons des intervenants, je dirais, dans lesquels nous allons trouver des grands noms universitaires, notamment le professeur Guillaume Cuchet, qui est sans doute l'un des plus grands spécialistes de l'histoire religieuse de la France contemporaine actuellement. Nous avons des essayistes de grand talent. Bon, je ne peux citer tout le monde au risque de, comment dirais-je, de manquer à la citation de quelques-uns, mais des noms comme celui de Jean Sévilla, de Philippe Maxence, de Thibault Collin, etc., seront présents. Il y aura des acteurs de la DRAC. Il y aura des anciens lauréats de la Coupe. Je dirais, nous avons voulu faire intervenir également la jeunesse. Anciens de la Coupe, impliqués dans la formation de la jeunesse actuellement, et aussi des étudiants, des jeunes étudiants, chercheurs, qui ont réalisé des travaux sur la DRAC, puisque la DRAC, en plus, a un fonds d'archives important qui lui permet de revenir de façon fouillée sur son histoire. – Alors, concrètement, une date, un lieu, les moyens de s'inscrire ?– Alors, une date, c'est le samedi 16 novembre. C'est de 9h30 à 17h30. Un lieu, c'est dans l'auditorium du lycée Notre-Dame de Sion, 11 avenue Vavin, dans le 6e arrondissement de Paris. C'est dans le quartier Notre-Dame-des-Champs. C'est très bien relié. L'entrée est totalement libre et gratuite. Et on peut, c'est une possibilité, on peut également, pour être assuré d'avoir une place, s'inscrire. Et pour cela, on peut aller sur le site de la DRAC, dracleague.org, ou je dirais, si l'on met en moteur de recherche DRAC, DRAC, droit du religieux ancien combattant, ou sa déclinaison un peu plus récente, défense et renouveau de l'action civique, on va tomber sur une page d'accueil, et là, on a un onglet sur le colloque, et on a le détail du programme, avec également une adresse où l'on peut se préinscrire par sécurité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Merci. Donc cette émission s'achève. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Merci.